Bonjour à tous, je vous fais une vidéo. Alors bon, c'est la troisième que je vais faire à la suite. Donc je vais vous faire une vidéo. En fait, aujourd'hui avec maman, on a été à Action et on a rencontré Christelle qui a une chaîne. J'ai perdu le nom de ta chaîne, Christelle. Je suis désolée. J'essaierai de le chercher et de le mettre en barre d'infos. Donc elle a ouvert sa chaîne il n'y a pas très longtemps. Mais moi, j'avais déjà vu Christelle lors du salon créatif à La Roche-sur-Foron au mois de septembre, je crois, septembre-octobre, quelque chose comme ça. Et du coup, ben, on avait décidé de se voir ben, à nouveau aujourd'hui. Donc voilà. Et donc Christelle est arrivée avec plein de cadeaux. Donc on va découvrir ensemble. Enfin, nous, on a déjà découvert un petit peu, mais je voulais aussi partager ça avec vous et vous faire découvrir. Donc comme vous pouvez voir, la table est pleine. Hein. Alors, j'ai une petite pochette comme ça avec les autocollants Gorjous qu'il me manquait. D'ailleurs, Christelle, j'ai oublié, on s'est vu, mais j'ai oublié de te donner les autocollants Gorjous que tu avais besoin. Donc, je te les enverrai. Ils sont là sur le bureau, mais voilà, j'ai pas pensé. Ensuite, elle m'avait emballé des petites choses dans du papier cadeau comme ça. Donc, j'ai déjà ouvert, j'ai déjà regardé un petit peu tout à l'heure avec les enfants. Elle nous a mis des petits sequins comme ça. Alors, c'est des sequins dans les tons violet et rose qui sont juste trop chouettes. Donc, voilà. Ici, alors on a ouvert mais pas tout déballé, donc on a essayé de laisser les choses dans les emballages plus ou moins. Ici, elle m'a pris des marqueurs peinture, en fait c'est comme des Posca, hein. Voilà, c'est une imitation de Posca je pense. Alors attendez, on va essayer de les ouvrir correctement. Non, ça va, merci. Tu dis bonjour parce qu'on te voit. Bonjour. Ah bah montre ce que maman t'a pris Action, tiens. Maman, il m'a pris ça. Ouais, je lui ai pris un petit carnet secret comme ça. J'ai déjà commencé. Donc, ça lui plaît beaucoup. Donc, voilà, c'est des, enfin, c'est des comme des Posca. Et donc, on a plein de couleurs. On a noir, vert, bleu foncé, bleu clair, rose, rouge, jaune et blanc. Donc, ça, c'est trop chouette. Merci beaucoup. On a un Triceratops, c'est ça? Non. Ouais, c'est un dinosaure, mais c'est quoi? C'est un Triceratops, Ludo? Enfin, bon, un T-Rex, ça, voilà. T-Rex. On me souffle la réponse depuis la chambre là-bas. Donc, c'est un T-Rex. Donc tu peux aller donner le T-Rex à Gabi qui voulait jouer avec tout de suite, voilà. Parce qu'en fait les enfants ils attendaient de pouvoir... ils ont vu mais ils n'ont pas eu le droit d'utiliser tout de suite, du coup ils étaient frustrés. On va le dire comme ça. Alors ici c'est marqué pour les petits et les grands. Donc nous avons des chocobons. Ça ils n'y avaient pas vu par contre, je n'aurais pas encore montré. Donc voilà, tout plein de chocolat. Je ne veux pas vous voir, merci. Tu vas là-bas s'il te plaît, je fais la vidéo. Alors attendez, j'essaye qu'on ne voyait pas les enfants. Alors ici on avait pour les grands... Alors, pour les grandes, et donc c'était un carnet comme ça. Alors, il est juste trop beau. Je les avais vus, mais voilà. C'est un carnet de coloriage mandala, un peu, avec des licornes. Oh, je suis désolée. Voilà, on va vous baisser comme ça, je pense que ce sera mieux. On a, voilà, des hiboux. On a vu qu'il y avait même des dragons, je crois, Gabi m'a dit. Voilà, celui-là, c'est pareil, ils l'attendent avec impatience. On a le dragon. Un cheval. Encore un dragon. Alors là, vous voyez pas, mais je suis entourée. Les enfants sont à côté de moi, ils attendent, ils regardent aussi. Oui, tu regardes, mais tu fais pas de bruit. Et tu restes non derrière la table, s'il te plaît. Je veux pas te voir à la caméra. Oui. Ici, on a des sirènes. Ici, on a des dauphins cornes. Des narvals. Des narvals. Une fée. Encore une fée. Ah bah celle-ci, Lucie va adorer. Oui. Des bouquetins. Encore des fées. Elfes. Ouais, des elfes. Voilà. Enfin voilà, vous aurez compris, c'est le thème féerique. Je vous montre pas toutes les pages, mais il est vraiment trop, trop chouette. Donc bah, Christelle, un grand, grand merci. Alors ensuite, elle nous a mis des petits stickers comme ça en Puffy sur les princesses, je ne sais pas. Bon, ça plaît beaucoup aux filles, voilà. Je sais pas moi le nom des princesses, mais elles, voilà. Ici, on en a d'autres en stickers. Je veux pas te voir, tu restes caché. Hein. C'est chouette, tu le cherches pour le faire. On va te voir. C'est à moi. Te touche pas les Posca. Alors lui, il va piquer mes Posca. Ça va pas le faire, Ludo. Donc voilà, ici, il y a plein de stickers avec des licornes, des petites princesses, des fleurs. Là, dans les tons roses, ici, dans les tons violets. Dans les tons verts, voilà. Ici, on a tout plein de stickers. Alors, Hello Kitty, donc voilà. Ici, plutôt dans les tons rouges. Et ici, plutôt dans les tons roses. Ici, on a des princesses à colorier. Alors, je vais leur en donner une tout de suite, comme ça, je vais les colorier ça.
Donc ici, on a des princesses à colorier. Et quand on les ouvre, en fait, ça fait comme des petites alvéoles. Et on va les suspendre dans la chambre des filles. Comme ça, c'est trop chouette. Bon, alors attendez, parce que je fais tout tomber. Et ça, c'est trop chouette. J'en avais jamais vu des princesses comme ça, mais c'est vraiment trop, ouais, c'est trop chouette. Sympa, les... Ouais, c'est trop chouette. Encore 4 princesses. Il y en a 4. Tu en veux une? Une pour toi, une pour Lucie, une pour Lilou, et une pour Lola et une pour Uriel. Vous en avez tous une chacune. Donc voilà, les petites princesses. Ah, vous ne les voyez pas de l'autre côté. Voilà. Et là, donc, elles ont les robes qui se décollent. Alors, je vous montre, mais on ne va pas les coller tout de suite parce qu'ils vont les colorier. Et donc, ça fera des petites princesses comme ça. Voilà. Je ne vous ai pas demandé d'être tous là. C'est là. Attends. Non, vous allez là-bas colorier, comme ça vous me laissez tranquille pour la fin de la vidéo. Ah, vous allez là-bas. Je veux plus vous voir maintenant. Vous avez le truc. Voilà. Colorier avant de déplier. Allez, oust. Plus personne. Et donc, moi, elle m'a fait une embellishment box. Alors, elle avait fait un joli nœud. Et elle a mis un joli. Alors, j'ai un ruban comme ça dans les tons. En organza. Ça y est, disputez. Vous aurez tout eu à la caméra aujourd'hui, je crois que. Là, c'est vraiment. Voilà. Donc on a un tissu, un ruban comme ça, un gros ruban en organza avec du orange foncé jusqu'au jaune comme ça. Et il est trop chouette, il est trop chouette. Non, Gabriel, tu vas dans ta chambre s'il te plaît. Non, ça t'attendra. Je t'ai donné le dinosaure pour l'instant. Alors voilà, ils veulent tout shipper, ça y est. Et donc elle m'a mis un tissu organza comme ça avec des fleurs. Alors ça c'est pareil, il est trop chouette. Je pense que je vais faire des fleurs là-dedans en fait. Elle passe à 4 pattes sous la table pour pas que vous la voyez. Ah, qu'est-ce qu'on fait pas faire aux enfants? Donc elle m'a fait une jolie embellishment box comme ça, avec un papier rose, de la dentelle, des demi-perles, des fils d'ange, un papillon, une grosse rose, un napperon, c'est un vrai napperon en plus, qui a été faux crochet, et des petites abeilles. Vous allez sur la table grise dans la chambre les enfants s'il vous plaît. C'est l'étra que vous passiez toutes les 2 minutes. Donc quand on ouvre, on a une jolie image comme ça avec une belle rose ancienne qui est trop belle. Alors là, à l'intérieur, il y a plein de trésors. Alors, j'ai ouvert un petit peu tout à l'heure, mais j'ai pas tout regardé. Alors, je vais vous sortir. Elle m'a mis des perles de pluie. Alors là, j'ai plein de couleurs différentes. Ah, il y a aussi des strass au fond. Donc, j'ai des perles de pluie et des strass comme ça. J'en ai des couleurs pastel en plus. Jaune, vert, bleu, rose, violet. Il y a des petites fleurs en strass, des petits strass comme ça. Je vais pas vous montrer tout le sachet, mais... franchement voilà, elle a mis dans un petit sac en lin comme ça, mais il est plein, hein. Et voilà, et c'est limite s'il déborde pas, hein. Donc ça, ben c'est trop bien, j'adore. Voilà, évidemment ici elle m'a mis aussi des petits nœuds, alors je vais vous les montrer comme ça. On en a des verts, on a des petits nœuds à pois avec des cœurs. Ça c'est trop chouette. C'est pareil, les nœuds, ben j'en utilise beaucoup, c'est trop chouette. Voilà, donc ben merci beaucoup. Ensuite, dans celui-là, on a un petit camé comme ça, qui est trop beau aussi, avec de la résine. Celui-là est très chouette. On a des roses, ça c'est les roses que j'adore de chez Action et que je ne retrouve plus. Donc, c'est les espèces de roses nacrées là, qui se vendent en autocollante. Celle-ci, on a des blanches et des roses. Et ça c'est trop bien parce que j'en ai bientôt plus. Et honnêtement, ça fait un moment que j'en ai pas revu à Action. Je ne sais pas s'ils vont arrêter de les faire ou... Ou si c'est juste que chez nous, il n'y en a pas, puisque en ce moment, les rayons sont toujours vides, parce que voilà, il vient d'ouvrir. Ah, c'est bien. Non, mais donc, dans la case du... Dans la case du milieu, on a aussi des demi-perles comme ça, bah, toujours pastel, voilà, dans les tons roses et dans les tons bleus, qui sont trop belles. Ensuite, dans cette case, on a des petites boules de fil de fer, comme ça. Trop chouettes, argentées et dorées. Alors, attendez, je vais poser sur le côté. Ici, on a à nouveau un camé. Donc, je pense que le camé qui était là, en fait, s'est échappé. On en a à nouveau un autre. On a un petit papillon en métal. Un cœur. Alors, attendez, hop. J'essaie de vous montrer comme ça. Donc là, on a 2 petits camés. Un vert, un ocre. On a un petit cœur et un petit papillon, comme ça, pour faire des bijoux ou des porte-clés ou voilà, des petits embellissements d'albums, de tranches d'albums, tout ça. Ici, on a un pompon comme ça, satiné, qui est juste trop beau dans les tons roses, voilà, rose très pastel, que j'aime beaucoup. On a des toutes petites bouteilles des mini-bouteilles, comme ça, pour faire les mini-vitrines, c'est génial. Ici, on a des cœurs. Alors, on va essayer de mettre tous les cœurs ensemble. Voilà, ici, on a les cœurs comme ça,
en métal, toujours en couleur argent. Celui-là est très joli avec, on dirait un peu comme une fermeture éclair. Mais enfin, ça fait tout plein de petites boules comme ça, voilà. Ici, on a une étoile. Ensuite, on a des petites perles comme ça, toutes travaillées. Alors, je ne sais pas si vous allez les voir, mais elles sont juste trop chouettes. Ici, on a un petit charme ovale avec un flamant rose. Et ici, on a un petit embellissement comme ça, en forme de coquillage. Donc voilà. Et ensuite, elle m'a fait plein de petits moulages en plâtre. Alors ça, qui sont trop chouettes. Alors, quand j'ai ouvert la boîte, il y avait Lilou avec moi. Et Lilou va déjà me piquer des anges. Bon, vous savez, on partage le matériel de scrap, hein, vraiment. Voilà. Elles ont accès à tout mon matériel du moment qu'elles en prennent soin et qu'elles abîment rien. Donc ici, on a une petite case où il y a plein d'anges. Alors là, Lilou, elle a craqué. Lilou adore les anges. Hein, voilà. Elle est comme sa mamie. Donc, on a un petit ange comme ça allongé. On a un autre avec les deux ailes, vous savez, qui pose la main comme ça. Ici, on a le petit Cupidon. Voilà, celui-là, on l'a aussi en plus gros comme ceci. Alors attendez, je vais prendre le temps vraiment parce que je veux pas les abîmer, c'est fragile et franchement c'est trop chouette quoi. Ici on a encore un petit ange comme ceci. Ensuite on en a deux tout petits, alors attendez, hop. On a deux tout petits petits comme ça. Et ensuite on a les ailes d'ange comme ceci. Voilà. Donc je vais tout re-ranger. Ah oui, pas le cœur, parce que le cœur, je l'avais mis à part pour vous le présenter après. Je voulais laisser les anges dans cette case et mettre les autres dans l'autre case. Hop là. Donc ici, on a une montre à gousset, comme ça. Pareil, elle est trop belle. On a des petits cœurs. Alors, j'avais pris celui-là tout à l'heure. Alors là, je ne sais pas si vous allez le voir, mais celui-là, voilà, il est tout travaillé, comme ça, il est trop beau, avec des arabesques. Et celui-là, il est tout à poids. Alors attendez, comme ceci. Ici on a un gâteau, une pièce montée quoi pour un mariage ou voilà. Pareil c'est trop beau quoi. On voit tous les détails et tout. Je pense que c'est fait avec la pâte qui sèche à l'air libre de Action. Je pense que oui, mais bon, si je me trompe tu nous le diras Christelle. Alors ici on a le petit papillon. Ici on a l'autre papillon, voilà. Un peu petit quoi, un autre petit papillon. Pareil, ils sont tout travaillés, ils ont des détails dans les ailes et tout, c'est trop chouette quoi. Ensuite, on a les petits oiseaux qui sont amoureux comme ça. Voilà, on n'a pas mis Ludo. Je dis ça en rigolant, mais bon voilà. On a une petite feuille, pareil, les feuilles, voilà, avec des petits points, les rainures au milieu. Un bouton, alors là, c'est. Voilà, je kiffe, hein, vous savez, mon amour pour les boutons, donc ça c'est juste trop chouette. Et ici, on a un petit nœud, comme ceci. Voilà. Donc, je vous ferai pas de haul de ce que j'ai acheté à Action. Déjà, Christelle, je te dis un énorme merci. On a prévu de se revoir quand on pourra. Enfin, voilà. On n'a pas vraiment fixé de date, mais bon, c'est prévu qu'on se revoie. Et j'espère qu'on se reverra dans pas trop longtemps, voilà. Après, on fait un peu comme on peut, puisque c'est difficile, voilà. Enfin, on a toutes... des choses à faire. Ah oui, puis il y a encore des choses. Bon, après, je vous disais... Oh, je crois que c'est les demi-perles qui coincent. Je veux pas abîmer la boîte, en plus. Donc, je vous disais... je ne ferai pas de haul Action, par contre, parce que moi, j'ai trouvé... j'ai pris qu'une boîte avec des... Je vais vous montrer maintenant, comme ça, voilà, ça sera fait. Tout ce que j'ai pris, c'est ça. Voilà. J'ai pris que ça. Une boîte avec des... Ah, des attaches parisiennes. Fleurs et cœurs. Voilà. Lilou, s'il te plaît, je suis en train de filmer. Tu peux fermer la porte et pas crier, merci. Et donc, alors oui, c'est pas fini. Christelle m'a mis dans un sac un petit peu de laine, comme vous allez pouvoir le voir. On a de la laine, du fil coton. Donc ça, ils sont très chouettes aussi. Encore de la laine. De la laine, encore des fils coton. Et Christelle, tu as abusé. Vraiment. Donc voilà,
Donc voilà, j'ai plein de laine. Ben, j'en ai de la noire, de la grise. On a de la rose un peu plus grosse. Non, Uriel, je finis la vidéo, je viens oui, après, j'ai bien juste tout que Lilou, elle veut la sienne de... Ici, on a du... Tu recules, voilà. Ici, on a du bleu, comme ça, tout tressé, j'adore. Ici, on a du vert. On a aussi de la rose. On a de la laine un peu plus fine, comme ceci, rose. Et là, on a du fil coton. Alors, c'est pareil, les fils coton, ils sont bicolores, ils sont trop chouettes. On a dans les tons bleu foncé, bleu clair. Ouais, ils ont plusieurs couleurs, en fait. Ils sont multicolores, ils ont plusieurs couleurs. Ici, on a les roses et violets, et c'est trop, trop chouette. Donc, voilà. Donc, bah, Christelle, je te dis un énorme merci. Bon, j'étais un petit peu gênée, parce que moi, j'ai rien créé, on va dire. J'ai pas eu le temps de faire de création ou quoi. Je suis un peu débordée en ce moment, donc voilà. Je suis désolée, mais c'est promis, la prochaine fois, je me rattraperai. Voilà. Et je n'oublie pas de t'envoyer, du coup, quand même une enveloppe avec les étiquettes Gorgeous que j'ai tout bêtement ben, oubliées. Vraiment, dans le feu de l'action, je les ai oubliées, vraiment. Voilà. Donc voilà, ben, Christelle, je te fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Et un bon dimanche, parce que je pense que vous aurez la vidéo entre ce soir et demain. Et je vous fais des gros bisous. Au revoir.